Depuis le Met Gala en 2020, la popularité du prince Harry et de son épouse Meghan Markle n'a cessé de décliner au fil des mois. Après leur interview avec Oprah Winfrey puis leur documentaire sur Netflix, Harry et Meghan, et l'autobiographie du cadet du roi Charles III, le suppléant, sorti en janvier, il avait semblé que les Britanniques en avaient assez des accusations du couple envers les membres de la famille royale et plus globalement des Sussex eux-mêmes. L'ancienne actrice s'est faite très discrète ces derniers mois, même lorsque le contrat la liant, elle et son époux, à Spotify a été rompu. Est-ce la raison pour laquelle sa cote de popularité a légèrement augmenté? Toujours est-il que, même si elle ne s'est pas rendue au Royaume-Uni depuis près d'un an, et les funérailles de la reine Elisabeth II, et qu'elle ne va pas accompagner le prince Harry à Londres en septembre, la popularité de la mère d'Archie et de Lilibet a augmenté de 2%. Une enquête YouGov a révélé que sa popularité atteignait désormais 29% au deuxième trimestre 2023, contre 27% à l'époque où elle et le prince Harry ont sorti leur série documentaire sur Netflix. Meghan Markle ne voudrait plus venir au Royaume-Uni si sa cote de popularité a augmenté. L'auteur royal Phil Dampier estime que Meghan Markle reste impopulaire au Royaume-Uni, selon lui. Elle ne remettra plus jamais les pieds dans ce pays, a-t-il déclaré à GB News. Une experte royale, Tessa Dunlop, a indiqué que la duchesse de Sussex pensait que le Royaume-Uni ne la mérite pas et que c'est la raison pour laquelle elle n'accompagnait pas son époux à Londres, alors qu'elle devrait le rejoindre aux Invictus Games à Düsseldorf, en Allemagne, quelques jours plus tard. Je soupçonne que la non-venue de Meghan Markle à Londres en dit plus sur son antipathie envers la Grande-Bretagne que sur la relation du couple, a déclaré Tessa Dunlop au Mirror. Les Sussex ont récemment été au centre de rumeurs de séparation, des bruits de couloir réfutés par un ami du couple. Une experte en relations, Kate Mansfield, a expliqué au Mirror que les Sussex ont une véritable alchimie, un système de valeurs partagées et qu'ils ont créé un lien indéniable qui montre leur désir d'être ensemble. Ensemble oui, mais pas au Royaume-Uni apparemment. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Imago Panoramique.